des repas rassasiants pour garder la ligne. Nombreux sont ceux et celles qui sont attentifs à leur poids. Entre excès et frustration, il est parfois difficile d'être en harmonie avec soi-même. Mais alors, comment éviter les régimes farfelus et ce sentiment de faim permanent? Se priver constamment et ne pas se sentir rassasié sont deux obstacles à l'atteinte ou au maintien du poids souhaité. Il est important de pouvoir manger à sa faim lors des repas principaux afin de ne pas grignoter. La stratégie sera alors de sélectionner des aliments peu caloriques, volumineux et rassasiants. Pour ce faire, les fruits et légumes seront largement présents dans l'alimentation. Mais il sera également très important de consommer des céréales et des légumineuses, de préférence riches en fibres, à chaque repas pour éviter les coups de barre et les fringales. Des protéines maigres telles que des viandes blanches, du poisson, des fruits de mer ou encore du fromage frais viendront compléter le tout. Faut-il bannir les matières grasses? Eh bien non, au contraire. Le corps a besoin de graisse, cependant elles doivent être de bonne qualité. Sachez également qu'un repas qui ne comporte pas de graisse sera beaucoup plus vite digéré. Je vous propose de découvrir maintenant en images deux plats qui vont apporter la même énergie à notre organisme, cependant ils n'ont pas du tout la même qualité nutritionnelle. Celui-ci sera beaucoup plus riche en fibres, de meilleure qualité et beaucoup plus rassasiant. Je vous souhaite un bon appétit !